Allô? Allô Juju, est-ce que tu m'entends? Je t'entends et toi, tu m'entends bien, je pense. Ouais, je t'entends. Ça va, tu vas bien? Impeccable. Eh bien, ouais, ça va, comme un dimanche? Comment dimanche? Comment Eh va le veau oui. de compète? Ah, mais votre compète, il broute. Ça va, il broute son sang, là, il prend des forces. Il est trop patate, là, la batterie, elle est full, il est parti brouter, là. Il est Ouais. chaud, il est chaud, il est chaud. Bon, je t'appelle parce qu'il y a la terreur de Castanet qui est chaud pour faire une petite balade trottinette cet après-midi. Il y Ouais. aura Tony et Jamel qui seront motivés aussi. Toi, t'es chaud pour venir? Mais bien sûr, bien sûr. Oh, on veut voir un petit versus. Toujours. On veut voir un petit versus, la terreur de Castanet versus le veau de compète. T'es chaud ou pas? Je vais l'éclater. Tu vas Je vais l'éclater? l'éclater. Tu vas le prendre? Je vais l'éclater. Ben, on verra ça cet après-midi. Hein. Rendez-vous 15h, À Théâtre quelle heure? Sorano. Où? 15h, Théâtre Ça Sorano. marche. Willy derrière moi, heureux propriétaire de la Airlang. Ah, je vois que tu as mis une petite sacoche. Alors, quelles sont les caractéristiques de ta trottinette? Quelle caractéristique? Vitesse de pointe, ce que tu connais. 40 km heure. 40 km à Ouais. l'heure, ok. 40 d'autonomie. 40 km d'autonomie. Moteur 500 watts. Moteur 500 watts et batterie. Batterie 17,5 mAh. 48 volts. 48 volts. Ok, donc on est similaire en termes de voltage, 48 volts pour la Erlang et 48 volts pour la V7. 500 watts, pareil, pour les deux moteurs. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 jours. 2 jours! Deux Boah, c'est tout beau, tout frais! jours. Attends, je vois que tu l'as équipé, hein? Regarde, klaxon et tout! Support de téléphone. Il marche bien le klaxon? Fais-nous un petit Il est test. allumé. C'est la sonnerie que tu as choisie. Ouais, j'ai vu plusieurs. Il y en a Tu préfères plusieurs. cette sonnerie? Ouais. Ok. Bon, j'ai dit au veau de compète que tout à l'heure on va aller faire un petit versus. Il m'a dit qu'il va te prendre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, C'est toi, possible. non, 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 toi tu dois dire tu. On Je. verra. On verra. On Non, toi tu verra. dis moi je le mange. Mais oui, je mange. Let's go! Le parc de la Prouderie, tu sais pas où c'est? La V7, attention! Rond-point à gauche! Et on va se faire la petite montée. Les deux qui traînent avec leur bolide. Le veau de compète, il est dégomme. Eh ouais. Ah, il est chaud lui, je vais le fumer lui. En mode street view, Airlang. À droite, veau de compète.
Dès que ça pète, on y va. Bon, Juju, ouais, on a fait ce petit run, ce petit versus. Je l'ai défoncé. Tu l'as défoncé de 200 mètres en arrière. Exactement. Fallait être dernier. Non, mais globalement, que t'as pu tester les deux trottinettes. Quels sont les principaux points que tu retiens? Que je retiens sur l'air longue. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien de mieux. La différence entre les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui se questionnent, il y en a beaucoup qui. Non, mais c'est une merde la V7, il ne faut pas l'acheter. Comme première trotte, c'est bien, parce que tu ne connais rien d'autre. Non, sérieux, la V7-8, comme première trotte, c'est bien, tu peux l'acheter, elle est confortable, tout ça, tu vas dire, elle a de la patate. Mais. Ils ont quand même fait les doubles freins à tambour. Ouais, c'est inutile, ça ne freine pas. C'est des ralentisseurs. Exactement. C'est frein magnétique qui me freine. Et en termes d'amorti, on voit des ressorts à l'arrière. Ouais, tu montes dessus, une petite bosse t'a embuté. Voilà. T'es obligé de relever le garde-boue à l'arrière pour éviter qu'il claque. Et pourquoi tu l'as acheté alors? Ouh. Par rapport au tarif? Non, même pas, parce que j'étais en panne de trottinette. Le shop à Toulouse, Super Shop, qui. Non, répare c'est pas le sujet. Ouais, mais voilà, tu vois, on y passe, voilà. Il m'a éclaté ma victoire toute neuve de 2 semaines. Du coup, bah, ça fait 3 mois qu'il s'amuse. Et entre les SAV et lui, bah, arrive un moment, tu te retrouves en V7-8. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi je me fâche. Parce que je roule en poubelle avec une merde et un veau de compète. Ah, ça va. T'as pu faire Rangueil jusqu'à Loncopole, c'est déjà très bien. Bah, au moins, mais minimum. Sinon, je l'achète pas, je la brûle, t'es fou. En plus, ton jean, il reste ouais, clean. Hein, c'est le garde-boue qui prend toujours, cher. Hein. Toujours. Voyons, toujours. Tends ton pied, je vais filmer l'arrière du pied. Toujours. Tu baisses de régime, tu arrives tranquille. Ouais, 25. Voilà. Non, je prends. Ouais, c'est clean. Non, je prends. Mais bon. Là, tu viens de castaner ? Bon, Willy, petit commentaire sur ce départ arrêté. Très bon. Comment il se la raconte ? Comment se la raconte, c'est Willy, le gangster de la trottinette ? Ah, j'ai vu, hein, tu lui as mis 200 mètres. Oui. Sans effort. Ouais. Grâce à ton pouce. Ouais. Grâce à mon pied, moi, j'ai pu le coller. On a vu, hein, Juju, il a voulu faire le double moteur à l'aide de son pied avant. Ça n'a pas marché. Presque. Presque. Ouais. Au départ, sur les deux premiers mètres. D'accord, 1m50. 1m50. Parce que je suis parti avant. Bon allez, on termine la vidéo. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. On est fatigué, on va profiter du soleil. On reste, on bronze. Montre un peu le soleil derrière toi. Là. Ouais, je vais montrer le soleil. C'est sur ces dernières images qu'on se quitte. Allez les amis, ciao! J'ai pas vu le bout de verre, merde. Jamel il s'arrête, il a peur de crever. Avec ses gommes dures, ouais. Ouais, des ouf. Attends un peu ce feu arrière. Stylé.
quel acrobate. Attention. Tu vas encore rattraper. Je pensais que t'allais le faire. Non mais je suis en train de tailler la mienne. Bloque la roue devant le trottoir. Ouais. Ça tu lui as pas dit qu'il fallait bloquer les roues.